Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je vous présente un petit haul que j'ai réalisé il y a quelques mois de cela, mais vu que je suis toujours en retard pour faire mes montages, donc c'est ça. Alors, je vous présente des capsules de faux ongles que j'ai achetées sur AliExpress pour que je puisse faire mes essayages comme celui que vous avez vu tantôt. Et j'ai aussi pris des petites doigts d'entraînement pour soit poser les capsules ou pour entraîner au gel l'acrylique, etc. J'ai aussi pris des petites capsules pour identifier les vernis. Honnêtement, je sais pas c'est quoi le nom. Mais c'est super pratique du coup pour voir vraiment c'est quoi la couleur des vernis. J'en achète tout le temps, c'est pas la première fois. Voilà. J'ai aussi pris une petite pochette pour remettre les plaques de stamping, mais bon, je voulais en essayer un. Et voilà. Il y a, je pense, 24 places pour mettre les stamping. Les plaques de stamping, mais habituellement je mets toutes mes plaques dans une grosse boîte où j'ai pris les albums de photos, puis j'ai les ai découpés puis collés et ensuite pour faire des pochettes pour les plaques de stamping. Je pense que je vous le montrerai dans la vidéo, je sais pas, je vais voir. J'ai aussi pris un gros pinceau pour pouvoir nettoyer quand je termine de limer un ongle pour le gel, on va dire. Et il est super doux, vraiment, vraiment très doux. Puis il est magnifique. J'ai aussi pris des Fimo. Ce sont des petits trucs très fins qu'on peut mettre sur les ongles, mais personnellement je trouve ça difficile à porter tous les jours et tout. Ça s'attrape dans les cheveux et tout si on la colle pas bien. Et sur les capsules, ça fait très beau. Comme là, je pense que ce sont juste des fuis que j'avais fait. Mais j'ai préparé aussi une vidéo là-dessus que vous allez voir bientôt. Aussi, j'ai pris des pinceaux. Il y en a 12 à l'intérieur. Et je pense que je les ai pris à cause de la couleur, ben des couleurs. Et je trouvais ça joli, fait que c'est ça. Mais sinon, je les ai utilisés juste, ben ce que j'ai utilisé, c'est juste pour le vernis quand je fais des dessins au vernis, donc ça me sert à ça. Ceux-là, ce sont des pinces pour les ongles, pour pouvoir enlever les ongles. Donc, par exemple, si on a du gel, des paillettes sur les ongles, donc on met de l'acétone dans le coton. Ensuite, au lieu de faire la vieille méthode, donc de mettre du papier aluminium, de l'embobiné, ouais c'est ça, l'embobiné avec du papier aluminium, donc on met le coton sur les ongles et ensuite le petit tablet, pincette, et voilà, on attend environ 10 minutes, ça dépend si c'est quoi qu'on a mis sur les ongles, et on enlève et c'est fini. Ensuite, j'ai aussi pris une plaque de stamping pour Noël de la marque Dream Girl, excusez-moi, numéro 11. Elle est magnifique, vraiment magnifique, super beau. Et aussi des foils. Ah, j'en ai plein, il faut que je vous fasse une vidéo dont je vous montre mes foils, mais il y en a d'autres que je vais en acheter. Du coup, j'attends. C'est un foil magnifique. Ça me fait penser au mur, au fil de mer, je sais pas pourquoi, mais bon, on verra. Puisque ça fait comme plusieurs mois que j'ai fait ces achats, du coup je me rappelle plus des prix. Donc si je peux, je vais mettre les prix dans la vidéo, sinon tous les liens seront dans la barre d'infos, ça c'est sûr. Donc sur AliExpress, il y a une partie où c'est marqué comment, là tu trouves tous tes achats et voilà. Ensuite j'ai pris des stickers, celui-là ce sont les dames de jeu je crois, puis l'autre avant c'était les papillons. Et j'ai aussi pris un petit bijou pour le nombril aussi que je trouvais beau, puis j'ai pas aimé à la fin. En fin de compte j'ai pas aimé l'aspect que ça donne, je sais pas, c'est super fragile.
Sur la photo, tu sais, c'était beau, mais en vrai, j'aime pas du tout. J'ai pris d'autres stickers. Ceux-là sont magnifiques, vraiment magnifiques. Pour le nouvel an, je trouve que ça serait très beau. On verra. Et encore ça aussi pour le nouvel an, ce sera beau. C'est ça. J'ai aussi pris des stickers en forme de nœud, des chevals. Le nœud pour Noël, c'est parfait. Puis les chevals, un thème de campagne, ce sera parfait aussi. Encore des stickers, je crois. Oui, ah oui. J'en ai un autre comme celui-là, mais ceux-là sont plus foncés, les couleurs sont plus vives que l'autre. Ce sont des lions, puisque ça n'apparaît pas bien. Non, des lions ou des tigres? Trop de mémoire! Non, non, c'est des lions. Non, non, des tigres. Des tigres! Et voilà, je vous montre mon panoplie de stickers que j'ai. Ça me suffit toujours pas. Il faut que j'en achète dès que je trouve que c'est beau. J'achète. Je suis une acheteuse compulsive, quoi. J'ai encore pris un bijou pour le nombril. Cette fois-ci, celui-là, je l'aime beaucoup. Et dans une autre de mes vidéos, je pense que je vous avais montré les petites chevillettes que vous allez voir. Voilà. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. On dirait un serpent, mais bon. Je ne sais pas. Bref, je m'amuse quand je filme. Tout comme que quand je fais la voix. Ah, c'est ça. Je vous montre aussi d'autres foils que j'ai achetés. Mais vraiment, je suis gaga des foils. Je trouve ce concept-là magnifique. J'en avais essayé sur un vernis un peu iode. Mais cela, je pense que sur du noir, ça va être super beau. Je crois. Bon, ça paraît pas trop, mais sur du noir, je crois que ça va apparaître. Donc, c'est prévu pour une vidéo avec ça. J'ai aussi pris des blancs. Ben, c'est de la dentelle. Ouais. C'est comme de la dentelle. Des roses et tout. Je pense que c'est pareil avec le noir. J'ai aussi pris ce petit stylo magnétique. Donc, c'est pour les vernis gel, effet magnétique. Donc, les vernis gel aimantés. Du coup, je pensais que ça allait marcher avec le vernis, ce vernis-là, mais non. Puisque ce vernis-là, c'est un vernis ordinaire. Donc, lui, il marche avec les aimants ordinaires, on va dire. Mais j'ai testé, ça ne marche pas du tout. Donc, il faut vraiment un vernis gel magnétique pour que ça marche. J'ai aussi pris une petite bague que je trouve magnifique. Mais malheureusement, ça n'a pas duré très longtemps. Je pense que ça a duré environ 2 mois. Ça vous donne une petite idée depuis quand que j'ai fait les achats. Les petits strass autour ont commencé à sortir aussi vite. C'était triste, mais j'aimais tellement la bague que voilà quoi. Je vous montre un peu l'état de ma table tout en vous disant merci d'avoir regardé ma vidéo. Merci d'être abonné à ma chaîne. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à le faire, hein, c'est gratuit. Vous ne manquez rien et je publierai une vidéo tous les samedis, comme ça vous serez. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche aussi. Donc, prenez grand soin de vous et à samedi prochain.